Eh bien salut à toutes et à tous, l'âme compagnie les 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour le 18e épisode de la saison 2 de Sons of the Forest avec un départ imminent. Alors aujourd'hui les amis, pour cet épisode, en effet, cette première partie est une voix off. Et vous allez très vite comprendre pourquoi, puisqu'il y a un grand projet en cours durant toute la semaine. Ça m'a pris énormément de temps, c'est pour ça évidemment que cet épisode sort eh bien une semaine après le dernier. Déjà, je prends donc le deltaplane et vous pouvez le voir sur ces images que j'ai la technique pour pouvoir décoller de plus en plus haut, comme vous pouvez le voir avec cet accéléré maintenant. Vous l'avez compris, j'ai sauté depuis la maison et je me retrouve 1000 fois plus haut. Évidemment, c'est totalement cheaté. C'est un coup de main à prendre et c'est absolument incroyable. Et donc là, j'étais en quête d'un nouvel endroit à conquérir et j'ai trouvé le spot parfait. Mais les amis, quand je vous dis le spot parfait, je pèse mes mots. Vous allez très vite comprendre. Alors je vais atterrir dès que je vais trouver mon endroit et je vais faire des petits calculs par rapport à pas mal de choses. Vous allez vite comprendre. On n'est pas spécialement loin de la base précédente, mais suffisamment loin quand même pour être dépaysé. C'est ici les amis que nous allons nous installer dans cette forêt. Retenez bien cette forêt, comment elle est belle. J'ai fait des calculs pour le lever du soleil et le coucher du soleil. Les amis, je vous le dis, hein. Je vous le dis, nous allons assister au lever et au coucher du soleil. Spectacle magnifique, la vue va être incroyable, vous allez le voir. Donc là, d'ailleurs, ce qui est plutôt pas mal à cet emplacement, mis à part le fait que vous allez voir que je vais me faire pas mal embêter par les méchants, malgré tout, c'est qu'en fait, on a un petit point d'eau, on a un deltaplane supplémentaire qui est déjà là, avec des tentes. Donc ce qui m'a permis déjà de pouvoir faire des saves assez aisément. Regardez cette vue de dingue. Bon là j'étais en train donc de vérifier le nord. Donc le nord il est en face de la falaise. Donc au niveau de l'océan. Donc tout simplement le côté est et le côté ouest. Comme vous pouvez le constater, c'est là où le soleil se lève et se couche. Donc on va avoir une vue absolument incroyable. Et encore une fois je pèse mes mots. Donc voilà, je vous laisse découvrir ces images. Donc 15 petites minutes, même pas 14 minutes de vidéo commentée par derrière, parce que j'ai pris énormément de temps. Vous allez le voir, hein, j'ai vraiment tout condensé. Retenez bien la densité de la forêt parce que ça va aller très très vite, hein. Je vous le dis, ça va aller très très vite. Donc bon, entre temps évidemment je me fais un petit peu embêter par les cannibales. Et donc voilà, je commence un peu à réfléchir à comment je vais procéder tout ça, parce que je suis pas serein, je vais pas vous mentir, je suis pas serein. Kelvin n'est pas encore là, Virginia non plus. Je suis tout seul face à plein de gens. Les trucs montent dans les arbres. Je suis vraiment un peu dans le calvaire. Il n'y a pas spécialement de coin safe. Donc forcément je suis un petit peu embêté. Donc c'est parti pour le bûcheronnage avec du coup la tronçonneuse qu'on a récupérée dans le dernier épisode. D'ailleurs merci beaucoup pour vos commentaires évidemment sur le dernier épisode et vos likes. N'hésitez pas à déposer votre petit pouce bleu sous cette vidéo également. Ça me fait très plaisir, ça m'encourage. Et surtout avec ce grand projet. Donc voilà, je coupe beaucoup d'arbres. Enfin là c'est vraiment pas beaucoup pour le coup, vous allez vite comprendre par la suite. Je me fais des rangements pour commencer le bois. C'est vrai que j'aurais déjà pu commencer à construire, mais je voulais vraiment d'abord couper du bois, me mettre en sécurité, parce que moins il y aura d'arbres, mieux j'aurai une visibilité. Donc plus je verrai les méchants et moins ils pourront monter sur les arbres également. Donc voilà, je me sentirai beaucoup plus safe. Donc là voilà, l'idée c'est de couper un maximum sans se poser trop de questions. Vous voyez les cannibales qui rôdent un petit peu ici et là avant que je les attaque, bien sûr, parce que c'est eux qui m'attaquent. Hop, voilà, ça c'est bien fait. Bref, par la suite mes compagnons vont me rejoindre, hein. Vous allez assez vite le voir. Ils ont pris un petit peu de temps, mais je suis bien content qu'ils soient venus. Mention spéciale d'ailleurs, je le montre pas. Voilà, Kelvin arrive. Kelvin est en train d'arriver, le soleil est en train de se coucher. Donc ma technique c'est quoi? C'est pour être tranquille, je prends le deltaplane, puisque maintenant je sais que je peux monter plus haut, en faisant ma technique de descendre et de remonter. Et donc je me mets en haut d'une petite montagne là-haut, là dans la neige. Comme ça je me mets pépouze. Je dors, au final évidemment j'ai faim, j'ai soif et j'ai froid. Donc je vais boire et manger. Donc je disais Virginia, voilà Virginia, vous le voyez sur le GPS, elle est là, elle est de retour. Donc ce que je vous ai pas montré dans la vidéo je crois, c'est que je lui donne mon fusil à pompe de sorte à ce qu'elle ait les deux armes. Parce que moi de toute façon j'ai pas prévu de me battre, j'ai déjà une arbalète, puis surtout j'ai pas le temps, je suis là pour construire. Donc comme ça elle peut me protéger. Et là le début des problèmes. Problème ou non, hein, mais voilà, la neige tombe. Donc c'était clair et net, c'était maintenant. Donc tant mieux, je suis très content de ce timing parce que bah voilà, à ma base précédente, sur le lac, c'est joli, mais avec le lac gelé, je suis pas sûr qu'on soit vraiment en sécurité. Voilà, Virginia est là, donc en effet, elle a pas le pompe.
et je lui avais donné le pompe entre temps. Voilà. Donc là bah, je continue de couper du bois. Kelvin est arrivé, j'avais pas encore calculé qu'il était là, mais entre temps après je lui avais donné les instructions de m'aider évidemment à dégager tout ça. Il commence à faire froid évidemment, donc je me fais du chauffage. Et je pense à Virginia et Kelvin pour leur faire plaisir, parce que je sais qu'il faut leur monter des pourcentages d'amitié, hein, si déjà autant qu'ils me protègent un maximum. Et bien en plus du feu, quelle idée je viens d'avoir, et bien de fabriquer des bancs pour qu'ils puissent se poser. Vous allez voir à la fin de cette partie voix off, à la fin ils vont être très contents de ces bancs. Même si là Virginia est un petit peu teubée et elle se pose par terre, mais je vous rassure, elle a fait bien pire par la suite, vous verrez tout à l'heure. Donc là Kelvin me pointe du doigt les méchants, Virginia elle s'en bat les steaks, elle est sereine et elle a bien raison. Elle a bien raison parce que vraiment, enfin voilà, leur repos sera bien mérité dans une petite dizaine de minutes, parce qu'ils m'ont vraiment beaucoup beaucoup aidé. On a quand même coupé pas mal de bois hein, comme vous pouvez le constater, mais ce n'est rien par rapport à ce qui va suivre, hein, cette magnifique forêt qui va... Alors je pense qu'on refera pousser quelques arbres par la suite, hein, on n'y est pas encore. Au moment où je tourne d'ailleurs cette voix off, je n'ai pas encore eu les infos du coup sur la nouvelle mise à jour, donc le nouveau patch hein, qui est déjà sorti au moment où cette vidéo sortira. Mais donc dès que la 14e minute sera terminée, je vous retrouverai in-game et à ce moment-là la mise à jour aura été faite. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir les nouveautés, peut-être que vous savez déjà, moi je ne sais pas encore au moment où je vous parle, mais dans 5 petites minutes, nous saurons. Voilà les petites techniques, bien sûr j'avais oublié cette technique hein, de faire exploser les arbres. Alors je fais pas non plus les explosifs illimités, donc voilà, mais c'est déjà pas mal. Donc là vous voyez, la vue commence à être bien dégagée au delà du fait qu'on a beaucoup de bois, mais surtout ça nous permet d'être pas mal en sécurité. Donc là je vous disais, Virginia des fois elle a des folies. Voilà, là elle fait son petit bain de minuit, son bain gelé, bref terrible, mais c'est pour être chaud d'attaque hein, vous avez vu, parce que du coup elle est vraiment très réactive avec le fusil à pompe et elle me protège de dingues, donc ça fait plaisir. Et là je commence la construction de la maison. J'en ai chié, voilà, j'en ai chié. Donc je suis vraiment content d'avoir pris tout mon temps pour vous sortir cet épisode. Au moins j'ai pu prendre mon temps sur plusieurs jours dans la vraie vie. Je veux dire, voilà, j'en avais marre. Franchement, c'est très long à faire. Vous n'avez pas idée, c'est très très long. Enfin, vous allez voir par la suite hein, ce que j'ai préparé. Donc là, l'idée, c'est d'aller le plus loin possible sur cette descente. Mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, il va y avoir un petit souci. Là, c'est ok, tout est au même niveau. Et là, à partir de là, c'est le début des problèmes. Voilà. Donc j'ai dû m'adapter, j'ai dû me débrouiller, donc vous voyez j'ai fait un double poteau. Ça paraît simple comme ça, hein. Sur Minecraft tu poses des blocs, c'est facile, mais sur le jeu c'est pas pareil. Hein. C'est là, ça ce que vous voyez là, c'est chiant. On dirait pas comme ça, mais c'est chiant. Donc là je fais une forme de L, c'est là qu'il y aura l'entrée, et ça va être vraiment génial. J'ai beaucoup d'ambition sur cette construction, donc ça va demander du temps. Voilà, la maison n'est pas terminée, sachez-le. La maison n'est pas terminée, mais j'ai hâte de vous montrer déjà ce qu'il en est. Donc je vous montre quelques petits passages encore, évidemment où je coupe du bois. Vous avez vu comme c'est dégagé d'un coup là. En plus avec la neige, c'est quand même assez fou hein, parce qu'avant c'était blindé d'arbres. Mais là on se sent quand même un petit peu plus en sécurité. Regardez cette vue de taré. Je trouvais ça absolument magnifique. Bref, le temps passe, le temps passe. Voilà, moi je vous rappelle que je voulais comme projet aussi me faire une maison où on se sent pas serré. Donc là, vous voyez, là il y aura... Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Le toit sera au niveau 2, en fait, globalement. Donc la maison va être vraiment gigantesque, pour le coup. Et comme ça, on se sent pas serré et on a de la place. C'était vraiment mon but. Je vous rassure, là, c'est mon but ultime. Hein. C'est-à-dire que cette maison-là, voilà, on va pas s'en séparer avant un bon moment. Je préfère vous le dire, les amis... C'est pas comme les précédentes maisons qu'on a pu faire au premier emplacement. Là vraiment on, voilà, on va y rester un bon moment. On est en haut d'une falaise, c'est absolument formidable. On peut décoller et revenir avec le deltaplane sans aucun problème. On peut faire le tour de l'île comme bon nous semble. Maintenant j'ai la technique pour voler avec le deltaplane. Enfin c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Donc là j'essaie un petit peu de comprendre comment je vais faire. Parce que mine de rien c'est pas simple. C'est vraiment pas simple, j'étais un petit peu perdu là, je savais pas comment j'allais faire. Parce que pour pouvoir faire mon idée, eh ben, il faut que je fasse un étage, puis un deuxième, et puis que j'efface l'étage intermédiaire. Enfin, je pense que c'est pas parlant ce que je suis en train de dire, mais en regardant les images, vous allez vite comprendre. Bon là, évidemment, je m'amusais avec les fusées de détresse, parce qu'il y a une valise qui respawn à chaque fois avec des fusées de détresse. Donc vous voyez, en fait, je suis censé faire un étage au-dessus, là, l'étage classique, et après je vais devoir le renlever une fois que j'aurai fait l'étage au-dessus. C'est con mais c'est voilà, c'est comme ça qu'il faut faire tenir le bois. Donc c'est pas facile. La Virginie elle m'a fait peur, j'ai entendu des bruits qui me couraient dessus. Mais c'est elle, ben, évidemment elle me kiffe. Évidemment je vous montre pas tout hein. On a fait beaucoup de choses. Notamment des massacres de cannibales hein, évidemment, rien de plus. Donc là
Je faisais des consolidations et comme ça je pouvais enlever. Voilà, et tout de suite c'est plus respirable. Et là elle est contente, elle s'est pris un truc dans la figure. Voilà, ça c'est fait. Donc vous voyez maintenant que je suis au deuxième étage. Mais du coup qu'il reste toujours le premier étage. Mais voilà, pour faire le toit du dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est chiant. Voilà, c'est super chiant, c'est super long. Je vous épargne les détails. Alors j'étais tranquille pendant un très long moment. Et là c'est reparti en cacahuète. Virginia là elle s'est fait soulever 2-3 fois. Et je peux te dire que moi je lui fais plus de bien que ça hein. Donc attention tout de même. Là je l'ai relevé une fois mais vous allez voir, pendant que j'ai le dos tourné, bah, elle va se faire ramasser une deuxième fois. Là je lui balance des cailloux à lui, hop, ça dégage. Merci monsieur. Bourse en cuir récoltée. Bah voilà, je me demandais si j'avais récupéré la bourse. Bah je l'ai récupérée, c'est parfait. Donc là Virginia bien sûr, voilà, je vais la relever une deuxième fois. Et je suis pas sûr mais je crois que j'ai dû la relever une troisième fois par derrière. Par derrière, attention tout de même, évidemment, c'est une chaîne YouTube tout public. C'est complètement faux. Mais voilà, toi, hop, ça dégage. Bien sûr, j'ai tiré à côté. Et non, c'est, il avait une armure. Heureusement, il est en feu. Et les hommes, en général, ne résistent pas au feu. Donc, il est mort. Voilà. Ça, c'est fait. Regardez cette vue. Est-ce que le jeu n'est pas magnifique? Monsieur, qu'il est magnifique, le jeu. Vivement qu'il sorte sur console, n'est-ce pas? Voilà, donc là, j'essayais de comprendre comment faire. Parce qu'il y avait des bûches que je pouvais enlever et des bûches que je pouvais pas enlever. J'essayais de comprendre la consolidation, comment faire. Évidemment, j'avais pas envie que la maison se casse la gueule, hein, s'écroule. Donc voilà, et puis petite technique avec les rangements, les contenants. Voilà, Calvin qui me ramène à l'infini des bûches. Comme ça, au moins, j'étais relativement tranquille. Et un big up à ce monstre effrayant qui est venu sortir de nulle part. Je peux vous dire que je me suis chié dessus avant de lancer le record. Voilà. Là j'étais en train de faire les escaliers. Donc les escaliers qui ne se font pas à un étage, vous l'aurez compris, mais à deux étages. Même si ce sera en réalité un premier étage qui sera tout en haut. Je pense que vous avez compris le délire. Je pense. Voilà, je veux vraiment avoir un dessous de plafond très grand. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué à concevoir. Mais vous allez vite le voir une fois que j'aurai enlevé toutes les bûches de support temporaire. Voilà, je parle comme un mec du BTP, j'y connais absolument rien, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Et il fait froid, et il fait froid, et il fait froid, c'est absolument terrible. On arrive vers la fin de tout ça, hein. La maison n'est pas terminée comme vous pouvez vous en douter. Donc je vais vous retrouver in-game dans une petite minute, le temps de terminer le petit coin ici de mur. Et je vous retrouve in-game avec justement le nouveau patch, la nouvelle mise à jour de Sons of the Forest qui est donc sortie depuis 2 jours au moment où vous regardez cette vidéo. Si vous la regardez à sa sortie, mais encore une fois, au moment où je vous parle, nous sommes le 13 septembre. Voilà, comme ça vous le savez. Donc voilà, et je peux vous dire que j'en ai chié hein, durant ces derniers jours pour faire ça. Même si ça paraît pas grand chose, sachez que c'est pas facile à faire. En tout cas voilà les amis, je vous souhaite un bon visionnage. Je vous retrouve in-game. N'oubliez surtout pas le pouce bleu en attendant. Je vous kiffe, le petit commentaire qui fait plaisir. C'était Mkolo, bon visionnage. Bah du coup j'ai fait comme si c'était une outro alors que je vous retrouve juste après. C'est quand même un petit peu con mais bon, bref. Là je suis en train de galérer parce que je suis en train de découvrir que je peux enlever encore des trucs. Je me dis mais attends, mais ça va se casser la gueule ou quoi. Bref, allez des bisous. Salut salut. Allez les amis, super content de vous retrouver avec ce patch 11, la nouvelle mise à jour de Sons of the Forest. Je vous retrouve le jour même aujourd'hui les amis, mais quel plaisir cette nouvelle mise à jour. Je vous assure que ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Si j'avais su, je vous aurais déjà teasé avant l'introduction de 14 minutes pour vous donner envie. Mais voilà, la nouvelle mise à jour absolument incroyable pour plein de choses. Y a des gens qui se promènent là-bas. J'ai entendu des bruits sur le dessous. J'ai hâte de me sentir en sécurité parce que pour le moment c'est pas gagné. Oh là. Je crois qu'on va juste se bagarrer en ce début d'épisode. Tout à fait. Voilà Virginia. Montre-leur Virginia. Voilà. Ça fait mal hein. Ça fait mal. Et il se brûle tout seul. Bon, on va en parler du coup des nouveautés du patch. On va même découvrir une des principales nouveautés. Hop, dans ta gueule. Dans un instant. D'abord, on va juste essayer de s'en sortir parce que ça part en cacahuète, hein, disons-le. Alors attendez, je vais en profiter pour récupérer ça à l'infini puisque ça respawn à chaque fois.
Voilà, comme ça on est pas mal. Oh non, Calvin il s'est fait fumer. Ah bah ça c'est une nouveauté ça. Voilà, ce mec est une nouveauté. Donc c'est les nouveaux cannibales qui ont été ajoutés durant ce patch numéro 11. Des cannibales lanceurs, c'est à dire qui te lancent dessus des lances. Voilà, lance artisanale collectée. Vous l'avez vu lancer la lance. La lance que Calvin a plantée en lui. Hop, je vais te... Voilà, normalement il faut pas faire ça. Oula. Donc voilà, ça c'est déjà une nouveauté de ce fameux patch. Une autre nouveauté un petit peu secondaire mais toujours aussi cool. Attendez, d'ailleurs on va faire la porte ici, hein, on va le faire en direct. Une autre nouveauté, c'est les nouveaux systèmes électriques. Alors ça c'est un petit peu frustrant mais au moins c'est plus réaliste. Souvenez-vous. Et d'ailleurs on a bien fait du coup de déménager, hein, ici. Je suis super content les gars, j'ai hâte de lire vos commentaires. Vraiment j'en ai chié, hein, pour commencer cette base. Et c'est pas fini. Clairement on va pas bouger, hein, on va pas bouger, on restera toujours ici. De toute façon on a de quoi faire. Mais vous voyez les clôtures électriques, je voulais faire le tour de la base sur le lac. Bah par exemple ce sera plus possible avec un seul panneau solaire. Alors c'est réaliste du coup, hein, parce que c'est compliqué. C'est compliqué de... Alors attends, il va falloir que je fasse un truc là parce que je ne peux pas rentrer comme je veux. Alors ça va être un petit peu chiant. Bref, en fait il va nous falloir plusieurs panneaux solaires. Et encore mieux maintenant il y a des batteries. Des batteries parce que la nuit il n'y a pas de soleil. La nuit, c'est quand même pas réaliste que les panneaux solaires fonctionnent. Bah maintenant, ça y est, il nous faut des batteries, les amis. Donc voilà, c'est une galère, va falloir en trouver. Puisque maintenant, les panneaux solaires sont useless, du coup. Donc c'est vraiment bien fait. Mais c'est absolument terrible, voilà. Alors attendez, parce que là, je suis face à un petit problème majeur. C'est que là, je ne peux pas rentrer comme je veux dans la base. Il va falloir que je fasse une petite marche, un petit escalier. Alors, tac, 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 je regarde vite fait, est-ce qu'il y a... pas moyen de trouver une petite marche avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que les amis je vous assure que les nouveautés sont absolument incroyables. Attendez, bon, j'en fais peut-être un petit peu trop j'avoue, mais tu m'as compris. Je crois qu'ils ont ajouté un nouveau tuto pour l'électricité si je dis pas trop de bêtises. Tac 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 tac, je sais pas où c'est que tu vois ça. Ah peut-être clôture ici, non? Où c'est qu'on voit tout ce qui est électricité là? Rampe d'angle. Rambarde, ça y a toujours eu je crois. Bon entre deux voilà, je rate peut-être quelques nouveautés, hein. Voilà, électricité. Et maintenant électricité améliorée, donc on a des batteries de sorte à ce que vous voyez la nuit ça ne fonctionne pas. Et bien maintenant la batterie fait en sorte que la nuit ça fonctionne et que le jour ça recharge. C'est quand même plus réaliste. Normalement les lumières sont éteintes le jour, voilà, donc c'est incroyable. Et les clôtures électriques du coup par exemple. Bon du coup là il te le montre pas, mais tu pourras pas faire à l'infini quoi, hein. Il faudra plus de puissance quoi. Donc voilà concrètement. Voilà concrètement. Bon, comment je vais faire moi pour rentrer là? Ça va être un petit peu pénible. Donc nouveau cannibal lanceur. Alors voilà les deux grosses nouveautés je dirais. Putain mais j'ai plus de bois. J'ai plus de bois du tout en fait. Je suis un débile. Attendez je... Ah. T'es malade toi? Complètement ma boule. Bah voilà, comme ça l'affaire est réglée. Dors petit bébé. Ouais, donc une des grosses nouveautés, monsieur bonjour. Voilà. On va jamais être tranquille, hein. Je peux te dire que j'étais beaucoup plus tranquille pendant ma construction, hein, si je puis me permettre. Non mais c'est pas vrai les gars. Ça y est, ils m'ont retrouvé les mecs. Ils m'ont retrouvé les mecs. Eh, Virginia. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Allez. On va couper cet arbre. Bref, oui, donc l'extension de la grotte A avec un nouvel objet. Donc voilà, déjà une nouveauté, c'est qu'il y a la grotte A et on va y aller aujourd'hui, la grotte A. Si je ne me trompe pas, c'est la grotte qui est près de la plage. Oui, Virginia, attention à pas te prendre un arbre dans la figure. C'est une grotte, la grotte dans laquelle on va aller juste après, j'espère que c'est bien ça. Et donc il y a un nouveau truc, je ne sais pas encore quoi, c'est un nouvel objet. Donc j'ai hâte d'aller voir ça avec vous. Il y a également une nouvelle cinématique. Dans le bunker de nourriture. Le bunker de nourriture, on est allé il y a quelques épisodes de cela. Donc on y ira également, mais pas dans cet épisode parce que ça vaut pas le coup. Et en plus ce qui est génial par contre, c'est vraiment qu'on va pouvoir aller instantanément dans la grotte. Dans la grotte bah, grâce au deltaplane. D'ailleurs on en a deux. Et d'ici on peut décoller aisément. Donc ça fait trop plaisir. Vraiment c'est le meilleur spot ici. J'ai juste hâte que l'hiver se termine. Et on sera vraiment pas mal. Voilà. Alors là comment je pourrais faire? Je peux pas... Ah si, ah, je peux pas faire ça là. Je peux pas me faire une petite marche?
Ah. Comme ça. Et ben voilà, je me suis fait ma petite marche. Je suis juste en fait un génie du mal, hein, voilà. Ça fait trop plaisir comment je suis plutôt balèze. Voilà, on va mettre la porte directement. Voilà, Mkolo construction bien sûr. Et nous avons notre magnifique porte. Voilà, donc voilà un petit peu l'intérieur. Donc vous avez un petit peu compris, hein. L'idée c'est que là il y aura un nouvel étage. Et je pense par contre que l'étage supérieur sera plus petit, hein. Ce sera vraiment la taille comme ça, hein, je pense, hein. Faut peut-être pas exagérer des bonnes choses. Allez les amis, du coup bah, on va boire un coup. Je crois que bah, alors du coup j'ai consommé tout ce qui est pack MRE, hein. Clairement si je peux récupérer un petit soda je dis pas non. Magnifique. C'est pas grave. Bah écoutez, il est quelle heure là? C'est ça qu'il faut regarder. Il est 14h, donc jour numéro 39. Donc écoutez, je suis fatigué, c'est pas grave. Je vais boire un soda énergisant. Voilà. Comme ça, ça me gonfle à bloc. Et j'ai encore de la nourriture un petit peu sur moi, donc ça devrait aller. Eh bah écoutez les amis, on va se rendre du coup pour voir la nouveauté dans la grotte A. Donc on va prendre un des deux Delta Plan. Je sais pas comment on va faire pour le remonter. On verra ça de toute façon en temps et en heure. Hop. Et c'est juste que du bonheur. Allons-y, n'oubliez pas le pouce bleu bien sûr, j'insiste. Mais j'en ai chié pour arriver jusque là. Et donc et c'est que du bonheur. Et là vous voyez à chaque fois je vais pouvoir. Ah bah là je me suis un petit peu chié. Je pense qu'on fera une rampe de lancement, ça peut être aussi sympa. Mais voilà, à chaque fois je vais pouvoir prendre mon envol. Et ça va être que du bonheur. Voilà, ça va être que du bonheur. Donc en plus, la grotte numéro A, si je ne m'abuse. Ouais, c'est bien ça, c'est la grotte là quoi. Normalement, hein. Je dis peut-être des bêtises. Mais si vous voyez cet extrait, c'est que je me suis pas trompé. donc c'est bon. Et je pense que je pourrais reprendre mon envol à partir d'une petite falaise là. Et ça fait trop plaisir parce que durant la saison 1, on s'était installé ici, souvenez-vous. On s'était installé là. Et se dire que maintenant on fait mieux. Un peu plus haut, c'est quand même chouette. Hop. Et voilà, on va se poser ici tout en douceur. Donc on a déjà exploré cette grotte, mais maintenant elle a été étendue. Alors là je me suis peut-être un peu chié. Alors on va essayer de descendre. C'est pas un hélicoptère non plus. Voilà. Ici c'est parfait. Ouais, je pense qu'en vrai je vais peut-être pouvoir reprendre mon envol via la petite falaise. Il y a grave moyen, c'est la taille de la maison de laquelle j'ai décollé dans le début de l'épisode. Donc c'est plutôt cool. Allez, on y va les amis. J'espère juste que je me suis pas trompé. Mais normalement, comme dit, si vous voyez cet extrait, c'est que c'est bien ici. Ah, ça m'avait manqué une petite grotte là. Alors, le problème, je pense, qui va s'offrir à nous, c'est que du coup tous les monstres ont respawn. Voilà, on avait clean quand même plutôt pas mal cet endroit. Mais je pense que tout a respawn puisque ça a changé. Donc et ça a changé. On va prendre tout ce qu'on peut. S'il y a des nouveautés. Oh, emplacement déjà découvert. Ah d'accord, ok. Je me disais bien. Ok. Allez, allons-y. Eh, c'était déjà comme ça, ce virage à droite là. Je sais pas. Allez, allons-y gaiement. Attends, je vais prendre l'arbalète. Mais non, mais en fait j'aurais dû reprendre le fusil à pompe que j'ai donné à Virginia, je suis trop bête. C'est pas grave, j'ai un revolver. On va jouer au revolver, on est là pour ça maintenant. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de monstres. Ça a visiblement pas respawn. Et ça, c'est chouette. Ah oui, mais c'était pas comme ça avant. Hein. Je suis pas sûr. Mais c'était pas comme ça avant. Voilà qui est très peu rassurant. Ok. Alors honnêtement, je me souviens plus de la grotte. C'est pas faute de l'avoir fait plusieurs fois. Ok, on a encore un soldat ici, ça on sait. Oh oh. J'ai vu du mouvement là. Ouais. Y a des gens qui me veulent du mal. Alors attends, toi bouge pas. Voilà. Ah! Je recharge. Attention les jeunes, grenade.
Ok. Bon, ça va, sur une moyenne distance, ça fonctionne en vrai. Alors attendez, est-ce que j'ai encore des grenades? Il m'en reste 3 je crois, ouais c'est ça. Le compte est bon. On va essayer. Oh magnifique. Magnifique. Oh bah alors là mon pote, je les ai tous fumés je crois. Vous avez vu, j'ai fait l'effort de refaire des raccourcis sur le sac à dos hein. Bon malheureusement j'ai pas le raccourci du magnum. Hop. J'ai juste rechargé. Désolé, il fait un petit peu nuit. Voilà. Ah, il est encore là lui. Terrible. Pas aussi efficace que ce qu'on voudrait. Ok, bon, attends, bouge pas. Molotov. Ah non, merde. Ça, c'est chiant, ça. Hein. De pas avoir le briquet, de pouvoir l'allumer automatiquement, c'est vraiment dommage. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien qu'ils mettent à jour. C'est que qu'ils puissent, voilà, mettre la le briquet comme il faut, quoi. Bon là je suis pas sûr, je crois que j'ai foiré. Voilà. Prends feu toi. On va reprendre ça. Eh ben c'était très peu efficace. Je sais pas combien de balles de revolver il me reste, mais ça craint un peu. Bon, on va y aller. Oh wesh. Voilà. Voilà. Il est mort. Je le dépece. Je vais me faire attaquer, c'est pas grave. Ok, il est là. Plus de balles. C'est chiant. Aïe, 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 aïe. Je sais pas où il est, je sais pas où il est. Ah, il est là. Et voilà, il est mort. Bon, ça c'est fait. Je vais dépecer un maximum d'individus pour récupérer les armures, bien sûr. Attends, je vais m'équiper directement, comme ça je serai tranquille. Tac. Pourquoi j'arrive pas à les porter? Ah voilà. Voilà, comme ça au moins on est pas mal. J'en ai un juste ici. Bon, ça se passe plutôt bien cette expédition. Même si jusqu'ici on connaît la grotte. À moins que j'ai raté un chemin, mais je pense pas. Ok. Alors. Je me pète une barre hein, si la nouveauté c'est un truc pourri. Attends, je vais recharger mon revolver quand même. Je profite, il y a de la lumière. Un chemin à droite, un chemin à gauche. Oh, un poisson. Je prends. Bon, c'était déjà comme ça, hein, il me semble. Hein. Allez, on va aller... Ah oui, il y avait les eaux et tout. Bon, on va aller à droite. Mais jusqu'ici, en fait, on connaît. Hein. Ouais. Rien de bien folichon pour le moment. Attention les jeunes, je suis armé hein. Ah oui c'est ça, ouais ok, on est là. Ouais ça a été clean hein. Ils ont pas respawn. Ça c'est pas mal. Merci d'avoir respecté mon ménage. Ah parce que c'est terrible si à chaque fois ça respawn dans les grottes que tu t'es fait chier à clean. C'est un petit peu chiant quoi. Par contre si ça respawn en bas, c'est que ça a été réinitialisé en bas. Voilà, je dis ça, je dis rien. J'ai la méta du jeu. Hein. Ah mais il y a encore des gens là. Ah merde. Bon, attendez, bougez pas. J'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. 1, 2. Ça dégage. 1, 1. Aïe. Pas tous en même temps. Pas tous en même temps. On me respecte. Oh dans ta gueule. Oh non. Toi t'es mort. Ok allez, ça va partir au couteau. Couteau. Oh non. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Ok. Ok. Ça va partir sur le pistolet là. Aïe. Oh la vache. Oh là je suis dans le mal. Je suis dans le mal.
Dégage. Ok. Il faut mourir, hein. C'est bon, il est mort. Ok. Ça se passe. Ça se passe de ouf. Je dépece. Ça se passe de ouf. Comment ça se fait que j'ai froid? Est-ce que c'est une nouveauté ça aussi? Parce que dans les grottes on n'avait jamais froid. Et c'est assez cohérent d'avoir froid dans une grotte en vrai. Ouais, en fait c'est juste parce que c'est l'hiver dehors je pense. Mais j'avais jamais fait attention à ce détail. Peut-être que j'étais jamais dans une grotte en hiver. Je ne sais pas. En tout cas ça se passe vraiment bien pour le coup. J'ai hâte de découvrir la nouvelle cinématique également dans le bunker de nourriture. Qui va peut-être nous apprendre des trucs de ouf. Ou pas, mais j'ai hâte d'aller voir ça. De toute façon, ce sera dans le prochain épisode, hein, dans tous les cas. On peut pas tout faire aujourd'hui, ce serait dommage en plus. Et là, on a un maximum d'armure, donc ça, ça fait trop plaisir. Ok. Allez, on ravance. Attendez, vous savez quoi? Je vais reprendre mon magnum, je vais le recharger maintenant, vu que je sais qu'on est safe. Bah, j'ai plus de munitions, voilà. D'accord, très bien. Comme ça, l'affaire est réglée. Alors... encore de l'armure. De la musique. Toute la musique que j'aime. Attends, on vient de là, hein. Oui, on vient de là. Alors, chemin à droite. Très bien. Où c'est qu'on va, là? Il y a des bébés. Allez, saute-moi dessus, toi. Allez, saute. Saute-moi dessus. Dommage. Tant pis pour toi. Putain, mais on est en train de se paumer. Ok, bon, ça a été... ah, mais c'est ça, extension de la grotte. Tu m'étonnes. Elle a été agrandie de ouf, à moins que... What? Non, on est déjà passé par là. C'est pas nouveau là, ouais, on avait déjà vu. On était déjà là. Pas de surprise, c'est un cul-de-sac. Et je crois qu'on récupérait je sais plus c'était quoi qu'on avait récupéré là. Mais ouais, du coup ici on connaît. Ok, donc jusque là, tout va bien. D'accord. Ensuite, on a un autre chemin. De ce côté là. C'est bien ça? Ce chemin ne me dit rien. La radio. Mais non, c'est de la convient. Attendez, attendez, attendez. Ça y est, je vais commencer à me perdre. On est d'accord que je suis allé... Mais attends, j'avais pas le choix entre deux chemins là. Attendez, je suis débile ou... Ok, j'ai des hallucinations, messieurs, dames. Et là, je commence à avoir vraiment froid, mais on va se faire un petit feu, vous inquiétez pas. Ouais, je deviens... je pense que je deviens parano parce que j'avais cru qu'il y avait un chemin. Or il n'y en avait pas. Ah si, c'est là en fait. C'était avant la radio, c'est pour ça. Voilà. Ici. D'ailleurs, oh, grenade, merci. Ça c'est parfait. Ah tiens, petit médoc, on dit pas non. Voilà, on a un chemin à gauche. Voilà, on a un chemin à gauche. Oh purée, c'est là la nouveauté. Parce que jamais d'avis on avait cassé ce truc de bois. Ok. C'est ici du coup qu'on va découvrir hein, peut-être, je dis bien peut-être, la nouveauté de la grotte. Et ça, ça fait plaisir. Donc on va se faire un petit feu, on va se poser un instant. Et on va découvrir la suite. Et ça, ça fait plaisir de ouf. Ça, ça fait plaisir de ouf. Alors change-moi la pile. Hop, de ta lampe là. Fais pas chier. Voilà, on va se prendre de nouveau un petit soda énergisant. Non, on va économiser, il n'y a pas besoin pour le moment. Et on y va. Oula. Oula. Alors je m'attendais pas à ça, on va descendre en profondeur ici. D'accord. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Je ne sais pas. Mais on va descendre. Ok. Oh, j'aime pas descendre d'eau à l'inconnu.
On va se faire soulever la figure. Attends, mais c'est super profond là. Ok, j'y suis. J'y suis. Rien en face. De la corde, du tissu. Ok. On va bien allumer son cerveau pour pas se perdre. Puisque là, messieurs dames, on a un chemin à gauche et un chemin à droite. On va commencer à gauche. Oh non, mais ça se sépare dans tous les sens en plus. Oh non, 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 ça va être terrible. Bon. On a commencé à gauche. Ah ouais, mais ça part dans tous les sens. Ok, on a une caisse ici. Superbe. Oh. Ah! D'accord. Désolé. Désolé, mais il fallait que je casse. Pour que je puisse passer. On va se perdre. Voilà, j'annonce, on va se perdre. Ça part dans tous les sens, littéralement. Mais non. Il y a un monde où je peux revenir là ou... Ok. Oh purée. Qu'est-ce que c'est que ce bourbier? Qu'est-ce que c'est que ce bourbier? Magnifique. Alors, on va se faire électrocuter là. Un artefact, un nouvel artefact. Oh. Ok, c'est un sextoy. C'est ni plus ni moins un sextoy. Non, ça fait partie du cube. L'artefact. Alors où c'est qu'il est là? Il est là. 1 sur point d'interrogation. Donc il y en a plusieurs à récupérer. Je pense que ça va former un truc à la fin. Incroyable. Incroyable. Bah je pense qu'on va en récupérer à chaque cul-de-sac. Enfin je pense qu'il va y avoir des cul-de-sac à chaque endroit là. Donc là je suis venu de là. Je vais monter là. D'accord. C'est un alien là ou... Bon là c'est un cul-de-sac, je peux pas monter plus haut. Donc je viens de là. Bon, on va peut-être pas croiser de méchants, donc ça c'est cool. Enfin après c'est pas sûr hein. Mais là en l'état je dirais qu'on va croiser personne. Et je pense que tous les chemins mènent à Rome. C'est un cul-de-sac. Vous voyez, ça part dans tous les sens, mais ça reste du cul-de-sac quand même. Donc c'est-à-dire que j'ai trouvé le truc du premier coup. Regardez, là je reviens sur mes pas en passant par le chemin là. Oh. Je pensais que j'étais revenu sur mes pas, mais pas du tout. Ok. Je récupère tout ce que je peux parce que je suis full. C'est un cul-de-sac. Ni plus ni moins. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur également. Et on est allé là. Ouais non mais c'est bon en fait. Sérieux? On a déjà fait le tour en vrai les gars. Et on a récupéré un petit bout d'artefact du coup. J'imagine, hein, je dis artefact mais j'en ai aucune idée de ce que c'est. Donc voilà, c'était pour l'extension de la grotte A. En tout cas je pense que c'était juste ça. Hein, ça m'étonnerait qu'il y ait autre chose encore. On va pouvoir ressortir tranquillement. Là il n'y a rien en face. Mon feu il est où là? Il est là. On va se réchauffer de nouveau un petit peu. Vous savez ce qui est regrettable? C'est qu'on n'ait pas l'heure malgré qu'on soit dans la grotte. J'aimerais bien qu'on puisse savoir l'heure qu'il est. Ah mais si, on voit l'heure, je suis trop con moi. Oh, 21h, très bien. Parce que en vrai là. Mais pourquoi le feu il s'éteint là? Ah mais parce qu'il y a de la pluie. Il y a de l'eau. Ouais bon d'accord. Allez, on va ressortir les amis par ici du coup. Ça va, en vrai c'est pas non plus gigantesque de ouf. Plus de peur que de mal. On va se manger bah, le dernier pack MRE, ration de survie que j'ai. On se refera de la vraie alimentation de viande par la suite. Puisque maintenant on est installé. C'est vrai que durant ma construction j'ai beaucoup mangé ces grignoteries, tu vois. Ces cochonneries. Ok, eux on les a fumés. Ouais c'était ça l'extension, ils sont pas cassés la tête à faire une autre extension dans la même grotte. Plutôt pas mal, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous voyez parce que si je vais là-bas, en vrai c'est comme avant je pense, ça a pas changé là-bas. Je sais même plus qu'est-ce qu'il y a mais...
Je sais même plus qu'est-ce qu'il y a, mais on va ressortir à un autre endroit là, la flemme. Ah, l'extension c'était clairement clairement ce qu'on vient de voir, hein. Sûr à 100%. Donc en tout cas les amis, dans le prochain épisode on va aller voir la cinématique du bunker d'alimentation. Wesh. Je croyais qu'il y avait encore un ennemi. Donc le bunker d'alimentation de nourriture, hein, je veux dire. On ira voir ça dans le prochain épisode. Pour ceux qui voient pas où c'est justement là où il y a, vous savez, le grand lac avec l'île au milieu. C'est dans cette zone là-bas. Je vais vous montrer juste après. De toute façon, on va essayer de décoller. Eh, si je me tâte à le faire maintenant en vrai, hein. Je me tâte à vous le faire maintenant. Ah, parce qu'en même temps, j'en ai envie, quoi. Hein. Allez les gars, c'est pour vous ces cadeaux. Alors ce qu'on va faire, on va dormir. On va poser la bâche dans l'humidité, c'est absolument parfait. D'accord, parce que là je suis crevé comme un chien. Les effets de la canette énergisante sont enlevés, la caféine, tout ça, donc c'est parfait. Donc je vais dormir. Je me réveille. Il est 7h du matin. Je fais une petite sauvegarde. Je récupère la bâche, hein, parce que je suis quand même pas... comment je fais pour récupérer? Voilà, comme ça. Et on va boire... Pourquoi c'est sombre comme ça? On va boire... Est-ce qu'il me reste de l'eau encore vide? Vide. Ah, j'ai plus d'eau, quoi. D'accord. Bon, allez. On va essayer de décoller. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a de la neige, j'avais oublié. Terrible. Terrible de chez terrible. Bon, on va faire un truc pas bien. Bah non, on va pas boire là, c'est encore plus dégueulasse. Oh, il y a des mutants qui m'attendent. Bon, bah j'ai pas le choix, je vais devoir boire. Ou alors, non, attendez, je vais manger des baies. Ça hydrate, non? Ouais, pas de ouf, hein. Pas de ouf. Bon, allez. On va essayer de décoller. Si ça marche, c'est chouette. De toute façon, normalement, j'ai la technique. Ce serait vraiment cool. En vrai. J'ai tendance à me dire qu'il y a suffisamment de... Allez, on essaye. C'est bon, regardez. Donc là on descend, je vous montre la technique que j'ai fait au début de l'épisode. Et là on monte. Et déjà là on est plus haut que là où on a lancé le machin. Donc c'est quand même pas mal. Bonjour à vous les méchants. On descend. Et on monte. On voit pas notre base de là, hein, c'est dommage, hein. Ouais, j'ai des cannibales partout. Terrible. Allez, à fond les ballons. Ah, c'est bon ça, regardez comme on monte là. On est clairement en train de monter. Donc ouais, le... Elle est où la grotte justement, donc... Enfin la... Ok, elle est là-bas. Ouais, là où il y a l'icône de la maison, vous voyez. C'est là-bas le... Le bunker de nourriture, normalement. Si je dis pas trop de conneries. Avec l'île au milieu et tout, on va y aller. Et je commence à prendre pas mal de vitesse. Ah merde, là j'ai un peu déconné. J'ai un peu déconné là. Bon mais ça... Ah putain, ça c'était sûr. Ah je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave. Ah bah regardez, on a de quoi prendre notre envol encore. Là ça a été bien pensé, hein. Formidable. Formidable ce jeu. Allez on y va. Wouh. À fond les ballons. Encore des cannibales. Putain, j'ai l'impression qu'on va pas réussir ce que je veux faire. Si, c'est bon, ça monte. Faut pas paniquer, faut vraiment, voilà, faut vraiment y aller tranquillement. En plus, c'est assez compliqué parce qu'il y a des arbres en fait partout. Et ça remonte alors que moi je suis au plus bas, donc c'est compliqué là. Maintenant. Allez, passe. Putain, je sais pas si on va y arriver, hein. Il y a un monde où ça passe. Il y a un monde où ça passe. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, faut que tu arrives. Bon, alors comme dit, c'est pas grave si on perd ce deltaplane. Bon, déjà, il sera jamais perdu. On pourra toujours le récupérer là où il est. Mais on a toujours un deltaplane en haut dans notre base. Mais j'avoue que là, ça fait un petit peu chier. Parce que là, je me suis fait arnaquer, voilà. Je me suis fait arnaquer. Bon, je vais quand même prendre le deltaplane avec moi. Et on va essayer de se rendre comme on peut. Ouais, c'est bien ça. Donc le bunker d'alimentation, de nourriture, c'est
juste en face. Et l'avantage c'est qu'on pourra redécoller de là-haut, parce que là où vous voyez le grand étang d'eau avec l'île au milieu, c'est là où on a de la hauteur de ouf. Donc on pourra toujours redécoller sans problème. Bon, Virginia n'est pas trop loin. C'est rigolo parce que ici c'est des endroits où on est quand même passé beaucoup de fois durant cette saison 2 hein. Et là on s'en rend peut-être pas forcément compte parce qu'il y a de la neige, donc ça change complètement la donne. Mais tout de même on est passé par là beaucoup de fois, donc c'est rigolo de repasser par là. J'espère que la cinématique en vaut la peine. Mais en tout cas voilà, durant cet épisode on aura vraiment vu beaucoup des nouveautés de ce patch. Concrètement, que ce soit les cannibales qui lancent leur lance, ça c'est nouveau. Que ce soit l'électricité, donc il nous faut des batteries. Faudrait qu'on trouve des batteries d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Eh ben l'extension de la grotte avec l'artefact du coup qu'on a découvert. Et là du coup la cinématique du bunker d'alimentation. Enfin je dis bunker d'alimentation à chaque fois, c'est le bunker de nourriture quoi. Très joli ici hein. Très joli. J'ai un point d'eau là hein. Je vais en profiter pour il faut que je boive quand même. Tant pis si l'eau n'est pas bonne. Tant pis également si l'eau est stagnante. Ce sera déjà mieux que boire l'eau de la mer avec les conteneurs tout pourris. Donc je vais boire. Ouais, ça fait mal hein. On va boire jusqu'au maximum les gars. Je vais vraiment être tranquille. Ah oui, ça me fait perdre toute mon énergie quoi. Ah non, ça me donne de l'énergie. Je vais remplir également bah non, on s'en fout parce qu'à la base on pourra remplir de toute façon sans problème. Allez, c'est parti. C'est par ici les amis. Bon là on va se prendre un cannibale dans les feuilles là, je la sens bien. Oui c'est ici, c'est bon. Et vous savez quoi, je reconnais même plus. Avec la neige là, sans déconner là, avec la neige je ne reconnais plus. Allez c'est parti les amis. Voyons voir comment ça va se passer. Je suis excité en vrai. Je suis excité en vrai parce qu'on a déjà tout fouillé ici. Donc voir une nouvelle cinématique c'est quand même un peu bizarre. Je pense que chronologiquement c'est pas très RP mais bon c'est pas grave. On va voir. C'est par ici. Bon le bunker est déjà ouvert. Rentrons. D'accord. Bon c'est bien ici le bunker d'alimentation. Me dis pas que... Ah non, me dis pas qu'il n'y a pas la cinématique parce qu'on est déjà rentré par là. Non arrête, c'est chiant. Oh ça c'est abusé ça par contre. Non sérieux? Mais c'est bien ça le bunker de nourriture les amis, non? Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est bien ici, si c'est parce que j'y suis déjà allé. Ça me paraît bizarre parce que dans voilà, les précédentes mises à jour on avait déjà vous savez le quand Timmy se bat avec un gros mutant la cinématique revient à chaque fois même si on est déjà passé par là. Donc là je trouve ça bizarre, est-ce que je me suis trompé d'endroit peut-être, je ne sais pas. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Bon les amis, on va essayer. Je dis bien essayer de redécoller et de revenir à notre base. Bah je suis bien content d'avoir fait ça maintenant. Parce que si on avait fait ça dans le prochain épisode, hein, on aurait été tous excités machin. Au final on aurait été très vite déçus. Là au moins, bon, il y a quand même l'ascenseur émotionnel. Mais on aura eu quand même des trucs de dingue durant cet épisode, vous voyez. Donc au moins voilà, c'est pas trop grave. Et là on va se régaler de nouveau, on va se balader enfin se balader, tu m'as compris hein, c'est vraiment décoller pour retourner à notre base là-haut. Vous voyez le point jaune en haut, il y a l'autre point jaune en bas, à équidistance. Le point jaune en bas c'est notre précédente base. Et le point jaune en haut c'est notre nouvelle base. Et bah bon courage à moi pour pouvoir remonter là-haut. Non normalement ça devrait aller. Ah j'ai bien réussi à le faire. Y a pas de raison que j'y arrive pas.
Et j'espère que l'hiver se termine bientôt. Donc on est au jour numéro 40. Mine de rien, hein, on aura bien bossé, hein. On n'est jamais allé aussi loin durant la saison 1. Et franchement là-haut à notre base, je me fais pas de soucis, on va être vraiment tranquille peinard, hein. Franchement je me fais aucun souci là-dessus. Allez, Inch'Allah. Hop. Ça commence bien. Allez. Allez, suce mes boules. Mais non. Attends, il est pas cassé là. Ah. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur qu'il était cassé. Bon voilà, bah, c'était une très mauvaise démonstration, messieurs dames, je m'en veux un peu. Mais il faut s'entraîner, hein. Il faut s'entraîner dans la vie. Faut pas tout prendre pour acquis, c'est pour ça. Ok, cette fois c'est la bonne. De toute façon, vous m'avez vu, hein, j'ai pas triché, j'ai réussi. Donc il n'y a pas de raison que j'arrive plus là. Même si ça fait une semaine pour moi que j'ai plus refait cet exercice, c'est sûr qu'il faut quand même s'entraîner pas mal. Attends, là c'est maintenant, il faut en profiter un peu en bas. Ouais, mais en fait, c'est parce que j'ai fait l'erreur d'aller trop bas avant. Alors là, ça pue. Il faut prendre assez d'élan. Et remonter. C'est pas terrible, hein. Allez, monte. S'il te plaît, monte. Ne me dis pas. T'imagines, ils ont patché ça? Non, je pense pas. Là, il n'y a aucun monde où j'arrive à remonter, là. Oui, je prends quand même de l'altitude là. Ah si, ça va, c'est bon, j'ai le truc, ça y est. Ça y est. Notre base, elle est juste en face. Ça y est, j'ai de nouveau le truc. Et là en bas, on a la... le bunker là, à déterrer, je crois. Si je ne m'abuse. Allez, monte. S'il te plaît. Alors attends, parce que j'ai vu un méchant là. Voilà, c'est bon, j'arrive à monter. En fait, faut pas être pressé. C'est pas la vitesse qui est importante, faut juste monter progressivement. Vous avez vu, là je vais moins vite, mais je monte. Et là, faut pas descendre trop bas non plus. Bonjour monsieur. Oh, il y a un village. Mais c'est pour ça que je me fais embêter. Je vais leur faire un petit coucou. Sympa votre village. Allez, monte. Voilà, là on y va tranquille. Au final on perd quand même pas mal de temps, mais au moins on est safe. Oh là, oh là, ça sent pas bon. Ouais, bon là là c'est le début des problèmes, hein. Bref, on va y aller à pied, j'ai bien compris. C'est absolument terrible. Bon, notre base n'est pas bien loin. En fait, c'est pas que la base est loin, c'est qu'elle est haute. Forcément. Et il n'y a pas de chemin officiel d'ailleurs pour accéder à la base là-haut, et ça c'est génial. Voilà, ça c'est quelque chose que... C'est pour ça que j'ai adoré cet endroit. Plus les levées et les couchers du soleil que vous n'avez pas encore vu. Voilà, je vous ai pas encore spoil, mais ça fonctionne super bien. Et quand on sera dans la maison, ça va être magnifique. Mais voilà, les levées et les couchers du soleil, vraiment, ils sont juste vraiment top. C'était exactement ce que je rêvais. Et là, je me fais entourer par des vilains... cannibale. Bon, on se rapproche. Je reconnais ma falaise. Voilà. Oui, en fait, c'est pas la maison. La maison en haut, c'est la bâche que j'avais mis pour dormir, je crois. Parce que moi, ma base, elle est là-bas, là. Tout s'est fait. Bah, elle est au point jaune, quoi. Allez, très bien. On est du coup de retour à la maison. On va pouvoir s'en arrêter là pour cet épisode. Vraiment, vraiment cool, hein. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié, parce qu'il s'en est passé des choses. On a super bien évolué. Oh putain. Là va falloir que je coupe encore du... Alors j'aimerais bien quand même laisser des arbres, hein, parce que c'est quand même joli, c'est la nature. Je pense que je peux laisser ces arbres là, mais faut quand même en enlever quelques-uns encore, parce que sinon on est entouré par les... voilà, on a du mal à voir, et c'est absolument terrible. Tu vas me foutre la paix, toi. Putain, il va super vite le con. Vous voyez là, au moins c'est dégagé.
Et ça change quoi. Là c'est dégagé, je me sens safe. On a le temps de voir tout ce qu'il faut quoi. Tu vois, ils montent encore dans les arbres. Mais ils sont suffisamment loin. Donc c'est vraiment chouette. En tout cas les amis, n'oubliez pas le pouce bleu. Très important pour m'encourager. Bon, toi t'as compris que t'allais passer un sale quart d'heure. Où c'est que j'ai mis la flèche? Oh, je l'ai tiré à côté, je suis nul. Quoi? Comment ça, mon ref? Non, là par contre. Va falloir arrêter de déconner. Hein. Il faut mourir, monsieur. Allez! C'était Mkolo. Je vous kiffe, plein de bisous. Ciao tout le monde.